Fais une vidéo un petit peu improvisée parce que il se passe quelque chose que je ne m'attendais pas à voir en fait. C'est-à-dire que l'an dernier, quand j'ai planté tous mes arbres fruitiers, j'y suis allé à la pelleteuse en fait et j'ai pas réfléchi la super belle chose que quand on fait des trous, il faut bien trouver des endroits où mettre la terre. Et comme j'étais en plein débroussaillage, à l'époque j'y connaissais pas grand-chose, je me suis dit je prends pas la tête, je mets les tas de terre sur les branches et toutes les broussailles. Et donc je me retrouve un an après à essayer de remettre un petit peu les choses bien. Et donc là je creuse dans le tas de bois que j'avais recouvert de terre. Et donc je suis dans une terre argileuse. Et regardez comment est la terre. J'ai même croisé deux ou trois vers de terre que j'ai dû défoncer à la pioche. Hein, j'en ai encore un autre là. Enfin bref, tout ça juste pour dire que des fois on se dit qu'il faut pas faire des choses, qu'il y a des choses qui marchent, on sait pas toujours pourquoi. Et que donc c'est pas la peine de faire des généralités sur des choses, pas mettre de bois dans la terre parce que ça se décompose pas. Ben, il se trouve qu'apparemment ça se décompose bien et que la terre en bénéficie bien. Bon, de là à dire qu'il faut le faire, je sais pas. Hein. C'était juste une vidéo constat. Voilà, je vous laisse, à plus, ciao. Je me disais il fallait quand même que je fasse un post-scriptum en montrant quelque chose d'assez important. Donc je remontre l'endroit où c'est que j'avais enterré des branches avec les vers de terre, tout ça. Et juste 2 mètres plus loin, un endroit où j'ai pioché et où il n'y avait pas de branches, quoi. Et donc là je peux essayer d'y aller avec la main pour prendre la terre, c'est pas possible. Parce que comme je vous dis, c'est très 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 argileux. On fait la démonstration. Ouh putain, lézard! Il devait partir en hibernage, le pauvre. Je l'ai fait chier, quoi. Merde, je suis désolé, pitchoun. Va t'abriter dans le méga hôtel à insectes naturels. Ah, fait chier. Merde. Donc voilà, on dérange la nature quand on fait des choses, mais je suis navré, excusez-moi. Allez, ciao, allez, chat! Post-scriptum 2. C'est vraiment incroyable, j'ai des vers de terre énormes. Post-scriptum 3 ou 4, je sais plus, promis, c'est le juré, c'est le dernier. Je crois que je viens de trouver l'évidence même. Donc voilà, à deux endroits. Un endroit où il n'y a pas le bois, dans le sol, argileux. Et un endroit où il y avait du bois. Alors c'est vraiment net, clair et net et précis quoi. Il y en a un qui est beaucoup plus noir et plein de matière organique. Regardez ça. C'est argileux, mais ça commence déjà à bien bien devenir de la belle terre, quoi, comparé à ici. Walou, c'est fini, allez, je vous laisse.